Ok les gars, vous êtes prêts à mouiller le maillot? Tu vas t'éclater, Blotch! Moi et ma planche, on a déjà surfé des vagues bien plus grosses, on n'a jamais eu aucun problème! Ah, alors c'est qu'un poids lourd a dû rouler sur ta planche dans ce cas. D'accord, c'est vrai. Peut-être qu'on s'est viandé deux ou trois fois. Mais faut pas flipper! On est les défenseurs des Super Strikers! Vous voyez, ensemble, rien ne peut nous arrêter. Nous en sommes à 88 minutes de jeu et nous avons droit à un match époustouflant. Blanc, surveille l'aile gauche. Très belle réception et joli pas de danse de North Shore. Il essaye de trouver Shakes pour lui envoyer la balle. Et une victoire de plus à l'actif des Strikers. Comment faites-vous pour enchaîner succès sur succès? C'est exactement comme quand on est face à une vague. On se donne à fond, on reste concentré et toujours rester cool, même sous la pression. Ah, qu'est-ce qu'il peut bien y connaître à la pression, ce blaireau? T'en fais pas. On va s'attacher à faire sortir tout l'air de cette espèce de baudruche. Vous vous êtes bien battu contre Nakama. Ses attaquants sont parmi les meilleurs et vous avez fait face. Mais Hydra va certainement vous donner beaucoup plus de fil à retordre. Leur foot sous haute pression est venu à bout d'un grand nombre des meilleures défenses de la Super League. Ah, pitié! Il y a sûrement plus de pression dans les brassards de bain de Klaus que dans ce gars. Yeah, la dernière fois que j'en ai explosé un, j'ai failli m'évanouir. N'empêche, j'ai vu Hydra faire couler un paquet d'excellentes équipes. C'est exact. Soyez sur vos gardes, ou nous serons les prochains. Regardez un peu la pression que les Hydras ont fait peser sur Lingan. Hydra ferme toutes les ouvertures et bloque toute possibilité de passe et pousse les défenseurs à commettre des erreurs fatales. Ces gars-là doivent faire des heures de fitness pour réussir à faire ce qu'ils font. Leur endurance est extrêmement impressionnante. Mais notre défense est tout à fait capable d'y faire face, pas vrai, coach? Bloc est le meilleur tackleur de la ligue. Eagle Eye peut repérer un danger à 1 km. Vous avez de la salade coincée entre les dents. Merci. Maintenant, c'est notre plié. C'est son jeu de liaison en milieu de terrain qui nous permet de nous soulager de la pression. Hey, puisqu'on parle de pression, les gars, visez-moi ça! Un courant de basse pression fonce tout droit sur le stade flottant. J'ai l'impression que c'est pas très rassurant. C'est que le stade tout entier pourrait couler. Ouais, englouti d'un bloc par la plus grosse, la plus méchante vague que vous avez jamais vue. On m'a assuré que le stade flottant était parfaitement capable de supporter le plus violent des orages. Ah oui! Je suis le maître du monde! J'aime avoir le vent dans les cheveux, le bon air iodé qui me chatouille les narines! Les mouettes perchées sur nos têtes! Envoie ça! Sale petit oiseau! On dirait que tu as une nouvelle fan, El Matador. Si elle voulait avoir une mèche de mes cheveux, il fallait qu'elle paie pour ça, comme tous mes autres fans. Mais qu'est-ce qu'une mouette ferait au beau milieu de l'océan, man? Regardez! Il m'impressionne toujours autant à chaque fois, ce stade flottant. Waouh! North, le stade est de ce côté. North? Les gars, je crois que North a un petit problème. Peut-être qu'il a été hypnotisé? Ou remplacé par une statue de cire? C'est pire que ça. L'appel du surf. Écoutez cette vague. Elle proclame sa toute-puissance à tous ceux qui osent s'approcher d'elle. Sa surface brille comme un miroir, qui nous renvoie l'image de notre insignifiance aux yeux de l'univers. Ça, c'est le couloir du paradis, les amis! Oh, 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 oh. Même pas en rêve, North. Je n'ai pas envie que mon homme clé risque de se blesser avant le match. Mais on fait un essai tube! Désolé, North. Pas de rouleau aujourd'hui. Mais que dirais-tu de quelques cônes? Oh! C'est pas cool, coach! Vous êtes prêts, les gars? Mon pote! On est nés pour être prêts! Alors, on arrive! Bon travail, North. Merci, coach. Jouez comme ça pendant le match et ce seront les Hydras qui seront sous pression.
Dégage de ma vague, loser. North Shore me semble en forme. En très grande forme. Ça craint. Ça va nous obliger à revoir toute notre tactique. Ça va être quoi ton plan, Louis Quido? C'est facile. On va le pousser à se noyer. Ah. Mec, cette défense sous haute pression m'a tué. Comment ils font les Hydra pour tenir 90 minutes? Qu'est-ce que ça peut faire, man? On a l'homme qu'il nous faut pour se lever sur la victoire. S'il te plaît, là, Rasta. Mec, c'est pas cool de me rappeler ce que je vais rater. T'en fais pas, man. Il y aura encore tout plein de vagues à surfer une fois que le match sera fini. Regardez un peu qui vient nous accueillir. Regardez-moi un peu les terreurs qu'on a là. J'espère que vous avez pensé à porter vos brassards gonflables. Yeah, bien sûr. Ils sont dans mon sac. Arrête de te la jouer, Liquido, sérieusement. Visiblement, t'aimes bien faire remuer tes lèvres. Mais tu dois avoir l'habitude à force de remuer tes petites nageoires de poisson clown neurasthénique. Oh non, ça, y a peu de ça chance. Ça pas de sel, sachant que ça vient d'un type qui a autant de charisme qu'un blobfish paraplégique. Rassurez-moi, les gars, je suis pas le seul à rien comprendre. Non, mais c'est dommage parce que ça a l'air très amusant. Pourquoi tu viendrais pas dans mon bureau? Pour une réunion de travail? Avec plaisir. No show. Tu as promis au coach que tu te tiendrais à l'écart de l'eau. Ouais, tu vas être un petit garçon bien sage, tout mignon, qui écoute son coach. Va te faire voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Tu ferais mieux de l'ignorer, North. Yeah, d'autant que c'est lui qui a une tête de poisson clown paraplégique. Ou est-ce que c'est pas plutôt de blobfish de rasthénique? Ouais, North, dis-toi que tu es notre porte-bonheur. Regarde, le sas d'entrée porte ton numéro. On doit se calmer et se concentrer sur le match. Pour l'instant, en ce détail, le surf, ça attendra. Mais moi, c'est en faisant du surf que j'arrive à me détendre. Hé, hey, est-ce que vous sauriez où est... Chut, regarde. Hé, hey, les mecs, vous croyez vraiment que je vais attraper quelque chose ici? Tu cherches du mauvais côté du fil, mon frère. Vous, espèce de sale petite voleuse de pantalon, reviens tout de suite, ou alors j'appelle la police. Les gars, il y a une chose que je dois absolument... Quoi? On peut dire que la police est très rapide ici. Nous nous apprêtons à subir une très forte houle. Assurez-vous que vous êtes au complet et dirigez-vous vers les sas de sécurité les plus proches. Les sas de sécurité? Ça a l'air sérieux. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont annuler la rencontre? Non. Il semblerait que ce ne soit rien d'autre que la procédure habituelle. Assurons-nous simplement que tout le monde est là. C'est ce que je me tuais à essayer de vous dire depuis tout à l'heure. Je n'ai pas vu North Shore de la matinée. T'en fais pas, man. Je suis sûr que North est déjà à l'intérieur à se la couler douce. Pile au rendez-vous. Il est temps de passer à la phase 2. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Oh, je suis vraiment désolé, je t'avais pas vu. Oh. Non, ça va pas. C'est ma tête, je te signale, sale bestiole. Si jamais je mets la main sur Liquido, il va voir de quel bois je me... Oh non, le match. Il faut vite que je tourne. Où est le stade? Oh. Wow. Wow. Je crois que mes wow ne changeront rien à l'affaire. Oh. Oh. On peut dire qu'on a vécu pas mal d'aventures surprenantes, mais celle-là nous amène carrément à un niveau inédit. Ouais, en dessous du niveau de la mer. D'aucuns disent que le fond des océans est l'endroit le plus calme qui soit par temps d'orage. Enfin, jusqu'à ce que le match commence. En parlant du match, est-ce que quelqu'un a réussi à trouver North? On a trouvé ça dans la chambre de North, coach. Attendez. Non, mais est-ce que vous voulez dire que... Je suis un gros nul. Tout le monde comptait sur moi et moi, je les laisse tomber. Oh. Tu dois être sacrément triste, toi aussi.
J'imagine que ton nid se trouve là-dessous. C'est sûrement pour ça que tu voulais nicher dans mes cheveux. Mais t'as sacrément raison. Je peux pas abandonner aussi facilement. Même s'il faut bien reconnaître que c'est super profond. Tu crois que je peux y arriver? Mais ouais! T'as raison! T'es la meilleure, toi! Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas garder ma planche jusqu'à ce que je revienne, ok? Enfin, si je reviens. Messieurs, j'ai fait tout ce qu'il m'était possible. Le stade restera immergé pendant toute la durée du match. Oh, Naraine ! Quoi ? Blablabla ! Non, tu ne peux pas dire ça, mon frère. S'il y a quelqu'un qui peut tenir bon seul face à l'océan, c'est North Shore. Mais toute notre tactique de jeu tourne autour de lui. Grease, tu te sens d'attaque ? 100% en couche. Tant mieux, parce que tu seras titulaire aujourd'hui. Aujourd'hui, Hydra rencontre les Super Strikers et nous sommes en direct du stade de... Du stade sous-marin. J'ai déjà vu des matchs se jouer sous la flotte, Brenda, mais là, ça dépasse l'entendement. Une autre chose qui dépasse l'entendement, c'est de constater que le coach a sélectionné Grease comme pivot central de leur défense à la place de North. Il paraît que vous avez un de vos hommes resté là-haut. Ah ouais? Et on peut savoir ce qui te fait dire ça au juste? Hé, j'ai essayé de lui faire comprendre que le surf s'était réservé aux pros. Des bouteilles d'oxygène? Pourquoi faire? Oh, oh, oh! Un terrain de football subaquatique? Ça, c'est ce que j'appelle du foot sous haute pression. C'est comme si on jouait au ralenti. Oh! C'est carrément d'enfer! C'est géant, mais... C'est carrément super crevant. Ça doit être comme ça que les Hydras s'entraînent à l'endurance. Une minute? Hydra, le match! Il faut que je leur fasse savoir que je suis revenu! Que le match se joue et les Hydra semblent mener la danse, Brenda. Les Strikers semblent n'être que l'ombre d'eux-mêmes pour le moment. Quel tir incroyable! Et un non moins incroyable arrêt de Big Bo en réponse. Les défenseurs, les Strikers ne sont résistés ni à la pression des grands fonds de guerre. Maintenant, Hydra. Plus que jamais, les fans des Super Strikers doivent se demander où est North Shore. Et moi donc, Brenda, et moi donc. Oh, c'est pas vrai! Ils sont à la peine, on dirait. Hydra prend la tête sur un but époustouflant de Liquigo. Les Super Strikers sont déboussolés quand ils n'ont pas leur nom. Je rêve, ils sont en train de nous écraser comme une piaffe géante. Les Super Strikers ont du mal à refaire surface sans Nerf chaud pour assurer la cohésion. On peut le dire, Max. Sans ce pont essentiel entre la défense et attaque, ils ont la tête sous l'eau. Incroyable! Le capitaine des Hydra marque un deuxième but d'une manière absolument exceptionnelle. Je suis mal. En cas d'attaque de pieuvre géante, appuyez sur le bouton rouge.
simplement la tasse, il coule à pic. Le beau Grise, tu vas très bien. Oh, regardez! Là-haut, Norf est poursuivi par une pierre géante. Ok, peut-être que tu vas pas si bien que ça. Il est vivant, oui. Mais plus pour longtemps. Il faut qu'on fasse quelque chose. Génial! Ils m'ont vu! Il n'aura jamais fallu qu'une pieuvre gigantesque et un propulseur subaquatique ultra-moderne pour ça. Hé! Hey, ça vient de me donner une idée. C'est exactement comme Twisting Tiger avait dit. Le numéro 8, ça porte bonheur. Je crois qu'il a dit que le sas numéro 8. Vous inquiétez pas, je vous suis, les gars. Oh ? C'est pas vraiment la queue que je m'attendais à avoir, les mecs. Attention ! Là, je suis mal. Cette saleté veut essayer de m'étouffer, on dirait bien. Je crois que la solution, c'est d'arrêter de respirer. La seconde mi-temps est sur le point de démarrer, mais il semble y avoir un léger problème du côté des Super Strikers. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment mon meilleur défenseur a pu s'évanouir comme ça dans les airs? Pas dans les airs, les amis! Dans l'eau! Dans le champ! Alors, mec! Je suis tellement content de te voir! J'ai le mal de mer, c'est une horreur! Ok, ça va, Grise, je suis là. Hein? Comment il a fait pour revenir jusqu'ici? Aucune importance. Et... on mène 2-0. Il ne peut plus rien faire maintenant. La seconde période démarre sous les chapeaux de roue et la défense des Strikers reprend enfin vie. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire entrer Norse Show? Qui peut bien savoir ce qui se passe dans la tête des coachs, Brenda? Mais avec une équipe menée 2-0, Norse va devoir lâcher les chevaux pour elle. Heureux de te revoir parmi nous, Norse. J'espère que t'es plus doué pour le foot que tu l'es pour le surf. Liquido! Hein? Tu as fait exprès de me faire tomber pour que je rate ce match. Ah, c'est juste une fausse manœuvre, c'est tout. Hein? Ça, c'est pour m'avoir volé ma vague. Et ça, c'est pour Shake. Nous sommes peut-être au fond de l'océan, mais ce jeu-là nous parvient tout bonnement d'une autre dimension. Olé ! Je n'en crois pas mes yeux. À moins de 2 minutes, les Super Strikers viennent de revenir en train. Tout, les gars. Il est encore trop tôt pour baisser la garde. Je crois que j'ai une idée sympa, mais pour ça, faudrait qu'on puisse reproduire certaines habitudes de la faune locale. Tu veux qu'on vende les shorts des hydras? J'adore l'idée. Il ne parle pas des mouettes, il parle des pieuvres. Les gars, vous êtes prêts à retourner mettre un bon coup de pression sur l'hydra? Ouais. 2, 3, Super Strikers! Eh bien, je crois qu'on peut sans problème affirmer que les Super Strikers nous préparent une petite surprise. Je n'avais jamais vu les hommes du coach organiser une défense aussi massive. J'imagine que les effets de la pression commencent à se faire sentir. Trouillard. À mon signal, tout le monde charge! Il est temps de vous renvoyer, vous rhabiller. Hydra lance une charge de plus en plus massive, mais les Super Strikers ne bougent pas d'un poil! Je suis là, mec! Oh. On t'a réservé une attaque en mode pieu! Et c'est une attaque surprise que lancent les Strikers et qui clouent les Hydra sur place! Et une passe en mode mouette en kékineuse! C'est pas 2 bras qui suffiront à m'impressionner, mon pote! Parce que je viens à peine de me battre contre 8! Ouais! Quelle extraordinaire performance de votre champ! Et quelle remontée magistrale de Super Striker! Hein?
Tu vois, Norf, tu auras vraiment laissé ton empreinte chez les Hydras. Dans leur mémoire et aussi sur leur stade. Ça me fait plaisir que ma nouvelle amie ait pu se trouver une nouvelle maison. Alors tu veux dire que cette mouette était de notre côté depuis le début? Mais quel noble, quel majestueux animal, ça! Oh. Attends que je t'attrape! Tu vas voir quand je t'aurai échappé, je ferai une tarte à la mouette! Maintenant, on sort les sœurs!